La fermeture est annoncée pour le 15 mai. L'aérodrome de Sallanches serait-il en train de vivre ses dernières heures? Pour le maire de la ville, ça ne fait aucun doute. Pour lui, l'enjeu de la fermeture est double. Sallanches étant propriétaire du terrain, c'est sa responsabilité qui est engagée en cas de problème. Aussi, dans un souci environnemental, l'élu veut récupérer cette parcelle pour créer une passerelle afin de relier la piste cyclable déjà existante au lac des Ilettes. En 2016, on nous a demandé de couper des arbres. Et sur un site qui s'appelle les Ilettes, c'est un site qu'on veut protéger et qu'on veut garder dans un espace naturel sensible où les gens s'y promènent, découvrent la nature. Et effectivement, on ne veut pas couper les arbres. Donc à partir de ce stade-là, on a décidé qu'on fermerait l'aérodrome parce qu'on ne voulait pas couper la végétation pour l'atterrissage et décollage des aéronefs qui existent en course sur cet aérodrome. La mairie de Sallanches ne peut pas forcer la fermeture tant qu'elle est sous convention avec l'aviation civile. En 2016, Georges Morand a fait le nécessaire pour rompre ce contrat. Pas de nouvelles ensuite de la direction de la sécurité de l'aviation civile. Le contrat serait donc toujours en cours. Je ne lâcherai rien. Le 15 mai, j'ai demandé la fermeture de l'aérodrome définitif, même s'il n'est pas accepté par l'État. On démontrera la piste. Si, entre-temps, je n'ai pas un engagement de l'État, que ce n'est pas ma responsabilité s'il y avait un accident sur ce site. L'aérodrome voit chaque année entre 7000 et 8000 mouvements, c'est-à-dire décollage ou atterrissage. Une pétition contre sa fermeture recueille environ 12 000 signatures. Selon les signataires, fermer le site engendrait des conséquences économiques énormes et un problème de sécurité. C'est un terrain qui permet l'entraînement des pilotes, qui permet la formation des pilotes, mais c'est principalement dans le secteur un terrain de secours pour les avions qui évoluent dans le massif du Mont-Blanc, donc qui est très très important pour leur sécurité. La plupart des avions qui évoluent dans le secteur sont des monomoteurs, et donc s'ils perdent leur moteur, ils sont obligés d'aller se poser quelque part, et le terrain de Sallanches est idéal pour venir se poser en cas de panne moteur. Il y a une très bonne cohabitation et je pense que il n'est pas nécessaire de fermer cette piste pour que les Sallanchards soient heureux de venir se promener aux Ilettes. Selon la pilote, l'aérodrome héberge entre 5 et 10 appareils de façon régulière. Et la piste n'est pas seulement utilisée par l'aéroclub de Sallanches, mais aussi par les aéroclubs des alentours. Le PGHM et les sociétés exploitant d'hélicoptères utilisent aussi le terrain pour s'entraîner.